C'est sûr? On va vraiment faire celle-là. Mec, t'as vu la taille de la baraque? On va forcément trouver à bouffer là-dedans. Allez, tu prends à gauche, tu prends à droite. Julien, je t'emmerde. J'en ai marre. J'en ai marre de tes plans de merde là, avec tes maisons vides et... Ça fout tout le monde de merde en fait. On est au moins deux dans ce monde. On peut déjà se réjouir de ça. Mais tu comprends pas en fait. On est tout seul. Y'a plus rien, y'a plus personne. Depuis des mois, ça fait... Tous les jours là. On sort, on fouille ces petites maisons vides, ces tas de cailloux, et y'a rien. On cherche quoi? On espère quoi? De la bouffe, y'en a plus. Des gens, y'a plus personne. Tu veux quoi en fait? Hein? Une... Je sais. Une machine à remonter dans le temps. C'est ça. Si on fait rien, on est foutus. On a juste pas le choix. Pourquoi on n'a pas le choix? On a toujours le choix. Pourquoi? Mais parce qu'on a eu la chance de survivre. Oh la chance. Parce qu'on est tout seul dans ce monde immense avec tout à reconstruire. Parce qu'on est peut-être la graine dont vont germer les prochaines civilisations. Non mais, tu t'écoutes là? Tu t'entends parler un peu? Ça sert à rien ce qu'on fait! Regarde autour de toi, Julien, t'es dans ton monde là! Théo. Oh putain, Théo, oh, pose ça. T'es pose dans ça. Ton monde, Julien. Pose ça. Et maintenant, t'es tout seul dedans. Pose ça, écoute-moi s'il te plaît. Mais je t'ai écouté trop longtemps, merde! J'en ai marre! Théo, écoute-moi, petit con!